Salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Cities Skylines et on va commencer directement par des explications au sujet de Bandicam qui m'a fait faux bond malheureusement. Alors je vous explique, j'ai mis à jour Bandicam pour avoir une version plus à jour tout simplement puisqu'elle commençait à se faire vieille parce que tout simplement... En fait, ce qui m'intéressait sur la nouvelle version de Bandicam, c'était le fait de pouvoir utiliser le codec de Nvidia qui permet d'avoir de meilleures performances normalement. En fait, c'est le codec qui est utilisé sur le Shadowplay. Et comme le Shadowplay ne marche pas sur Cities Skylines, bah, ça me permettait de pallier à ce problème. Le fait est que, apparemment, sur Adobe Premiere, il n'accepte pas les fichiers, enfin ce type de fichier là, enfin en tout cas qui sort de Bandicam, et du coup je me suis retrouvé au montage avec deux fichiers audio, alors que je peux lire sur mon ordinateur le fichier vidéo. Le fichier vidéo est tout à fait lisible sur mon ordinateur, mais Adobe Premiere Pro, lui, n'arrive pas à charger l'image, quoi, la vidéo. Donc, force est de constater que mon épisode d'avant que j'ai tourné est foutu. En plus, c'est con, je l'aimais bien, j'avais fait pas mal de trucs. Donc, je vais devoir vous expliquer, hein, tout simplement, tout ce que j'ai fait. Mais écoutez, on va faire ça de ce pas. Et en plus de ça, du coup, je peux plus... Enfin, je suis obligé de record avec le format normal. Donc, au final, cette mise à jour n'aura servi à que dalle. Mais bon, c'est pas très grave. Ok, donc là-dessus, c'est... Enfin, comme ça, c'est dit, c'est clair. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait... pendant cette vidéo. Alors déjà, j'avais remarqué qu'il y avait des embouteillages sur le réseau ferré. C'était très très encombré au niveau des trains de marchandises et des trains de passagers. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé ces deux réseaux, enfin ces deux voies, en deux réseaux distincts. Vous voyez ? Donc je suis parti d'ici, de cette gare-là. J'ai détruit les rails qui... Enfin voilà, qui liait les deux gares. Et en fait, j'en ai rajouté une là-bas. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout le tour de la ville. Même en passant par hauteur d'automne. En fait, j'ai fait voilà, un réseau parallèle. Et donc, vous voyez que là, à aucun moment, ça ne se croise. Et du coup, ça a fluidifié largement le trafic ferroviaire. Vous voyez que c'est beaucoup plus fluide, ils n'ont plus besoin de s'arrêter. Ça, c'est plutôt un bon point. Je vous montre jusqu'où ça va. Donc, voilà, ça passe par ici. Ça enjambe l'autoroute. Ça s'arrête là. Ensuite, on s'arrête à Quartier Fraise où j'ai mis une petite gare rurale. Je trouvais que ça faisait bien ça allait bien avec. Voilà, comme ceci. Ensuite, on remonte tranquillement par là. Et on arrive à Quartier Thornton. Et ensuite, on boucle. En revenant, hein, tout simplement, c'est pas compliqué. Et voilà, et j'ai enfin compris comment fonctionnait le système des lignes de transport. J'ai mis du temps. Hein. En fait, le truc, c'est que... Il y a une ligne par voie. Par rail, j'entends. Oui, enfin, vous m'avez compris. C'est-à-dire qu'il y a une ligne aller, enfin, logiquement... Il y a une ligne aller et une ligne retour, puisque les trains ne vont pas dans le même sens selon la voie sur laquelle ils sont. Enfin, sur laquelle ils circulent plutôt. Donc, du coup, en fait, le truc, c'est que de loin, ça ne se voyait pas vraiment. Donc, justement, j'ai zoomé comme un gros cochon. Et j'ai pu voir, en fait, il y avait voilà deux points. Et j'ai pu relier. J'ai pu faire le tour et créer deux lignes. Donc, la ligne bleue, c'est la ligne retour. Et la ligne orange, c'est la ligne aller. Voilà. Et comme ça, la boucle est bouclée et il n'y a plus de problème, c'est fluide et ça marche parfaitement bien. J'ai aussi pris l'initiative de commencer un réseau de métro ici, à hauteur d'automne. Donc ça marche comme les lignes de train, hein. Il vous suffit de placer des gares, vous voyez, des stations, pardon. C'est pas des gares, des stations de métro, et de les relier tout simplement avec des tunnels de métro, et ensuite de créer les lignes. Donc pareil, ligne aller, ligne retour. Et je vois que les performances sont assez dégueulasses. Ouais, là, franchement, je suis dégoûté, parce qu'en plus, ça tournait bien avec ce nouveau codec. Là, ça bouffe des ressources inutilement, du coup...
Du coup, c'est pas génial, hein. Bah, je m'excuse si jamais c'est pas super fluide. Voilà, donc vous avez compris comment ça marche. J'ai pensé aussi à faire des lignes de bus à hauteur d'automne parce qu'il n'y en a pas. Donc voilà, ça permettrait de diversifier un petit peu les types de transports disponibles et puis d'alléger le trafic routier par la même occasion. Ici, j'ai fait un agrandissement que je vais bientôt aménager. J'allongerai le métro, hein, ne vous en faites pas. Je sais plus quel autre projet j'avais. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai mis des politiques à quartier fraise. J'ai augmenté un petit peu le niveau d'industrie dans ce coin-là. Et puis c'est tout. Ici, c'est toujours pas développé, hein. Il y a quelques véhicules, hein, pour aller à l'aéroport, mais ouais, j'arrive pas trop à le développer. J'ai connecté par ici d'ailleurs pour faciliter, mais ça n'a pas vraiment changé. Pareil ici, j'ai relié. Voilà, j'ai connecté parce que au final, ici, j'avais un problème, c'est que c'était complètement isolé. Du coup, ça manquait d'employés pour les commerces. Et au final, ils mettaient tous la clé sous la porte. Donc, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Du coup, eh bien, j'ai tout simplement fait deux espèces d'échangeurs, la con, des connexions ici par l'autoroute et là par cette grande avenue. Et je viens de me rendre compte que la zone industrielle n'est pas reliée non plus. Donc, ce que je vais faire. Ce que je peux tenter de faire, c'est, vous voyez, prendre cette route-là, comme ceci. Bien sûr, tac, on la surélève. Parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà, ensuite, on peut tourner par là, ça m'a l'air d'être bien. Et j'ai pas pris de route, évidemment, donc ça fait un truc un peu dégueulasse. Évidemment, au moment où je prends la route. T'es pas obligé de faire un pont, tu sais, hein. Ouais, là, il m'a fait un truc un peu spécial, ouais. Il a cru que je faisais un pont. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ah, c'est vraiment très spécial, hein, comme. Mais on s'en fout, on s'en fout. On est dans un jeu, au pire, c'est pas réaliste. OSEF, fuck la police, voilà. Ok, bon. Allez. Faut pas que je sois désordonné, donc on va faire ce que j'ai dit, des lignes de bus dans ce coin-là. Dès que je mets cette vue, ça commence un peu à ramer, c'est bizarre. On va peut-être faire un deuxième terminal de bus. Ouais, on va peut-être pas tout mélanger, donc on va faire un terminal de bus ici. Ok. On va ensuite créer une nouvelle ligne. Cette nouvelle ligne ira de. Elle va commencer par là. Allez. Ah ouais, non, par contre, ça, je suis pas vraiment fan, hein, de l'outil pour faire les lignes de bus. Et je sais pas pourquoi il prend des chemins un peu. Ah oui, c'est peut-être. Non, mais non, mais si. Ah, je suis con. Eh, parce qu'elle est en sens unique, la route. Ah ouais, bon, ça, j'y avais pas pensé. Voilà, c'est ma faute. Ah ouais, en fait, ouais, c'est juste ma faute. Je suis trop con. Ah oui, du coup ça prend en compte cet aspect-là. Ok. Et bien écoute, on va faire une première ligne ici, qui sera la ligne bleue. On va en faire une autre là. Ouais, qui est pas super bien optimisée, je dois vous l'avouer. Ouais, c'est un peu le bordel avec toutes ces routes. C'est pas évident, certes. Alors, quitte à faire une troisième ligne, pourquoi pas, mais je pense que deux, ça devrait le faire. Je sais même plus par où je l'ai commencé. Je sais plus du tout par où je l'ai commencé. Ah, bah si, je l'ai commencé par là. Voilà, terminer la ligne. Et alors là. On va changer de couleur, on va la faire en. Voilà, comme ceci, en violet. Et l'autre, bah, pareil, en bleu du coup. Elle reste en bleu? Non, pas en bleu. J'ai déjà bleu.
Il n'y a pas un vert foncé. Ouais, un vert foncé comme ça, c'est bien. Bon, deux lignes de bus pour l'instant. Il y a de quoi satisfaire la plupart des passagers. Bon, ça passe pas partout, certes. Mais bon, allez, j'ai envie d'en faire une dernière. C'est bon. Vous avez gagné. Qui va faire. Alors, ça fait un parcours. Ça va faire un parcours un peu particulier. Mais c'est le but. Enfin, c'est le but. Non, c'est pas spécialement le but, mais. Non, là, il me fait un truc. Ouais. Bon, au pire, allez. Tant pis. Allez. J'ai commencé. J'ai commencé par là. Voilà, bon là ça fera un truc un peu spécial. Mais tant pis, tant que ça fonctionne. Osef, ici on va faire du jaune, j'ai pas fait en jaune. Voilà. Voilà, ça met de la couleur. Un petit peu dans ce monde. C'est parfait, c'est parfait. Je vais essayer d'atteindre l'étape de, voilà, de Mégalopole et d'accéder au monument. Parce que pour l'instant, c'est pas trop le cas. Je vois que la demande commerciale est plus forte. Et ici, il y a l'air d'avoir un problème avec des cadavres. Santé moyenne. On va faire un petit crématorium. Voilà. Avec un petit cimetière. Voilà. En plus, bon. Apparemment, ils aiment ça, donc écoutez, pourquoi là en privé? Je veux dire jusque-là. Oula, forte demande commerciale, forte demande d'industrie, ça fait plaisir. Voilà, déjà, je vais pouvoir peut-être améliorer un petit peu cette zone. On va faire la route plate. On va faire un peu de cul-de-sac. Ça faisait longtemps. Ouais, ça a l'air bien. Il y a l'eau, il y a de l'électricité, il y a tout. Donc ça va se développer gentiment. Maintenant, je vais me pencher plutôt sur l'aspect commerce. Parce qu'apparemment, ils ont l'air d'en avoir besoin. Ok. Mais avant ça, on va faire de l'habitation ici. Ouh, ouais, il y a moyen de faire un joli truc. Tiens. Ah merde, je peux pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je peux pas construire. Je ne peux pas construire d'habitation ici. Je ne peux rien construire. Qu'est-ce que ça signifie? Merde, c'est quoi le bordel là? Ouh, ça m'a l'air d'être un bon gros bug des familles. Bah écoutez, ça veut dire que tout ce que je viens de faire là, c'est pourri en gros. À moins qu'en faisant des routes. Ouais, d'accord, mais je vais pas faire ça pour tout, quoi. Ça craint. Écoutez, j'ai pas le choix parce qu'apparemment ça. Ça a réellement. Ça m'a fait un vieux bug. Donc j'ai pas le choix. Je sais pas ce qui s'est passé, hein. J'ignore totalement ce qui s'est passé, mais bref, passons. On va pas s'éterniser là-dessus. Au pire, je détruirai les routes et je vais les recommencer. Parce que sinon. Ouais, genre là. Attendez. Ah, il y a un problème là. Je sais pas ce qui m'a foutu, mais il y a un lourd problème.
Voilà. Ah, ça a bugué, putain. Allez, bah, rebelote. On va faire ça. On va faire ça comme il se doit. Voilà, puisque ça a complètement merdé. On va mettre des routes normales. Là, c'est cette zone-là qu'il faut que je change. Ça m'a l'air d'être bien. Ah non, je suis con, j'ai pas mis les bonnes routes. Faut que je fasse une route dans l'autre sens. Ah, mais j'ai pas besoin de les détruire. Je suis con. Pas besoin de les détruire maintenant que je peux les améliorer. Bon, et le reste à l'intérieur, rien à foutre. Bon. Alors, maintenant, faut que je change. Voilà. Et bon, c'est... Bah ouais, mais merde. Ils peuvent pas revenir. Ça sert à rien ce que j'ai fait. Si, ça va servir à quelque chose si je le fous là. Voilà. Et là, normalement, c'est pas mal. Donc, je vais peindre. Et puis, on va rajouter de la zone commercial. Voilà, comme ceci. On va mettre du bureau, densité élevée. J'aimerais bien avoir des buildings de bureaux. Mais pour l'instant, si, je crois que j'en ai. Je sais pas. Ah non, non, de commerce. Non, commerce, je sais pas si c'est possible. Je pense pas, hein. Commerce. Building de commerce. Ouais. En tout cas, il va falloir de la flotte. Ouh, faut que j'augmente le budget de la flotte. Je gagne combien? 37 000! Oh la vache. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on va l'augmenter à 150%. Et pareil pour l'électricité. Pardon. Oula, j'ai avalé par le mauvais trou. Oui. Je disais pour l'eau usée, ça commence à devenir serré. On va augmenter la vitesse pour que. Voilà. Ok, ça remonte. Ça remonte pas tant que ça au final. Ouais, bon, c'est trop juste. Il faut que je rajoute une station d'épuration, les gars. J'ai pas le choix. On va la rajouter ici. Voilà. Et là, mon gars, t'as intérêt de dire oui. Traitement des eaux usées. Clac! Voilà. L'eau, pourquoi pas aussi, parce que bon. Là, j'ai augmenté le budget au maximum, donc je peux plus toucher au budget. Donc voilà, je préfère être sécu. Être bien sécu comme il faut. Oh là là, il y a vraiment un problème. Utilisation des cimetières. Il y a trop de cadavres. J'aimerais bien faire un hôpital. Je vais faire un grand hôpital ici. Hein. Oh, je vais le caler dans. Ah non, je peux pas le caler dans mon point. Dommage, ça aurait été drôle. Il y a pas mal que je le foute là, l'hôpital. Ah non, ici ils seront pas desservis quoi. C'est dommage. On va le caler là. Et on va détruire cette. C'est quoi ça? C'est une clinique. Ouais, t'inquiète pas, ma poule. Je t'ai mis un hôpital. Ouais, y a un sérieux problème de cadavres. Il y a vraiment un gros problème de cadavres. Ici, on va quadriller. Évidemment, faire un truc tout pourri. Avec la flotte.
Ok, c'est relié. C'est relié. Ouh là là, je sens qu'ils vont me faire chier ici. Je le sens gros comme une maison. Voilà. Là, là, c'est au petit. Alors, on va le faire comme ça, sinon. Voilà. Évidemment, ils n'ont pas d'électricité parce que ces espèces de rigolos ont décidé de se développer pile à l'endroit où il fallait pas. Ouh, et ici, ça commence à devenir tendax au niveau des transports. Enfin, au niveau ouais, des routes. Il y a du monde, il y a du monde. Faut que je développe cette zone également. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des ressources naturelles à exploiter? À part la forêt, quelques terres fertiles dans le coin. Et il faut que j'arrive à développer la zone. Mais apparemment, c'est pas trop ça. Hein. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas de zone commerciale. Non, attendez, on va pas zoner à côté de l'aéroport. On va faire gaffe. Voilà, on va faire un truc comme ça. Et on va voir si ça marche. Par contre, l'eau. Voilà. Et l'électricité, ben, on verra quand ça va se développer. Bon, y a un problème de... Vraiment un gros problème là. Capacité des cimetières, c'est bon? Non? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Un mort attend d'être transporté. Tain, ils sont tous là en train de crever, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, bah écoutez. Je veux augmenter le budget de la santé. On gagne plus que 32 000. Allez. 150%! Voilà. Parce que moi, j'aime mes citoyens. Je prends soin d'eux. Ça va faire du mal à mon petit budget. Ah, bon. Ouais, budget conséquent. On va augmenter le budget du train à 115%. On va augmenter le budget bus à 125%. On va augmenter le budget métro à 110%. Le budget bateau, je l'ai pas. Ouais, j'ai juste quelques ferries. L'aéroport, pareil, je vais pas trop bouger. Le budget pompier à 125%. Le budget sécurité à 125%. Le budget poubelle à 130%. Et là, boum, ça descend. Ouh, ça fait mal au budget, ça. Mais bon, on va pas se plaindre, vu tout ce que je gagne. Allez, comme ça devrait peut-être arranger la situation. Ouais, parce que ce niveau-là, ça craint. Bon, zone industrielle. Apparemment, forte demande, et c'est le cas. Bon, écoutez, là, on va faire des routes de terre. Parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. J'ai absolument pas fait de route de terre depuis le début. C'est l'occasion. Voilà, vous êtes servi. On a une forte demande industrielle, hein, n'empêche. C'est peut-être pour ça, en fait, que j'ai gagné autant d'argent d'un coup. C'est l'industrie minière qui s'est développée très rapidement. Et ça m'a permis de gagner de l'argent. Là, ça va être le cas aussi, d'ailleurs. On va augmenter le temps, la vitesse. Oh là là, ouais, par contre, il y a des grosses chutes de framerate. Je m'excuse, hein. Mais. Uranium et fils. Bon, putain, ça, c'est du nom d'entreprise. Et ouais, ils sont niveau combien? Ouais, d'accord, ils peuvent pas être améliorés. Il y a qu'un seul niveau quand ils sont spécialisés. Ah, oh, ça rame, ça rame, ça rame. Ouais, vous voyez, ça me saoule, quoi. Franchement, là. Ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Bref. On est à du 60, ouais, ça peut aller. 68 000 habitants. Ici, ça commence doucement à se développer. Est-ce que là... Non. Là, non, ça se développe pas. Putain, l'aéroport, il est ridicule, hein. Pourquoi ça veut pas se développer dans la zone? C'est très étrange.
Peut-être en augmentant la valeur foncière, je ne sais pas, bref. Ce n'est pas un souci. Voyons voir les budgets. Pourquoi pas augmenter le budget de l'école, je me disais, parce que ça va commencer à devenir un peu compliqué. On va mettre un collège et une école ici. Ça aussi, ça va creuser le budget, mais c'est pas grave. Ensuite. Ah ouais, du coup, j'ai. Ouais. Je voulais continuer l'autoroute pour la faire dans un autre sens aussi, ici. Pour essayer de faire un périph, mais c'est. C'est assez compliqué. Je voulais faire aussi une autre zone. J'avais le projet de faire une ville en cercle. Enfin, une ville, un quartier en cercle. Ça pourrait être sympa. Le truc, c'est quoi, pour faire les cercles, c'est. C'est notre paire de manches. Bah tiens, j'ai envie de tester ici. On va faire un cercle. Alors, on va faire déjà une base. Ok, ensuite. On va prendre de la route avec des arbres. Et on va essayer de prendre ça. Ouais. Ah ouais, c'est comme ça que ça marche. Ah, c'est super simple. Ah bah voilà, j'ai réussi. Mais en fait, c'est tout con. Faut utiliser ça, hein. Route en forme libre. Et ça fait des cercles. Ah, c'est pas mal. C'est sympa. Bah écoutez, je vais continuer. On va faire un autre. On va. Finalement, on va faire carrément un quartier. Un quartier rempli de. Ah merde, c'était pas ces routes là. Ça, c'est de la thune usée pour rien. Hein. C'était ça. Voilà, et puis on va faire un autre petit cercle. Je l'ai peut-être fait trop grand. J'ai oublié, on va faire. Voilà. Là, je peux travailler correctement. C'est vraiment. Là, franchement, c'est vraiment super. Super intuitif. J'adore. C'est. J'adore. J'adore. Et là, si j'ai envie de faire. Là, je peux faire les formes que je veux, hein. Ça marche, ouais, on peut faire des trucs stylés. Vraiment, il y a de quoi designer des quartiers assez fun, je pense. Ah ouais, il y a moyen de triper là, vraiment. Il y a vraiment moyen de s'éclater, je pense. Et moi qui voulais faire un petit quartier, c'est raté, hein. Ah, c'est excellent. C'est excellent, c'est excellent. Là, ça va être. Bah, on s'en occupera après. On fera un autre quartier ici, mais pareil, on s'en occupera après. Ce sera un prolongement de quartier fraise. Mais avec un autre design, quoi, tout simplement. Avec un autre design de bâtiment. Ouh là là, mais c'est quoi ce bordel avec les cadavres là, putain. Utilisation des cimetières.
Alors que j'ai largement assez de capacité, quoi. Les gars, utilisez les cimetières au moins. Parce que moi, ça me coûte du blé, hein, d'installer des cimetières, hein. Je le fais pas pour le plaisir. Ah, c'est peut-être parce qu'il faut que je les vide. Non, j'ai de la place. Ouais, c'est compliqué la gestion des... C'est bizarre. Eh bien, pourquoi ça ne se développe pas ici? C'est vraiment bizarre, hein. Je comprends pas pourquoi ça... Pourquoi ils veulent pas? Ils veulent pas. Ils veulent pas se développer. Ça refuse, ça refuse. Et si j'augmente la valeur foncière, est-ce que éventuellement vous seriez d'accord pour venir vous installer? On va peut-être pas faire aussi grand, mais... Voilà, on va voir. J'avais envie de mettre des parkings. Parking plots juste devant le l'aéroport. C'est pas mal là. Oula, demande industrie, demande commerciale assez élevée. Donc voilà, ça fait des parkings devant l'aéroport. Ah bah voilà. Direct ça se développe. Putain. Il suffisait d'augmenter la valeur foncière. Hein. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Oh, il fallait qu'il y ait un clampin. Ah bah voilà. Pourquoi tu fais des trucs courbes? C'est quoi ce délire? J'ai fait des lignes à haute tension courbes. Ah bah comment ça? Alors c'est bon. Bah développez-vous alors. C'est cool ça. Ah et par contre c'est la zone commerciale évidemment qui se développe. Ouais. Bon, ce sera déjà ça. Et là, c'est vraiment un calvaire, hein. Est-ce qu'au niveau des budgets, je vais forcer 40? Bon, au niveau de la santé, je peux pas faire plus, hein. Au niveau de la santé, c'est... Ouais, c'est... C'est peut-être parce qu'il y en a qui n'ont pas accès à cause des... À cause des sens interdits et des... Ouais. Ça doit être pour ça, hein. Oh, qu'est-ce que ça rame? C'est abusé, quoi. Non, non, mais je suis désolé, hein, mais dès que j'accélère le temps, c'est bon, ça part en couille. Ouais, bah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté que ça soit passé comme ça avec Bandicam, mais c'est pas grave. Là, il n'y a pas d'eau. Évidemment, fallait que ce soit un pécor. Je peux même m'amuser avec les... à faire des... Putain. À faire des cannes, des conduites d'eau courbes, quoi. Ça, c'est la classe. C'est stylé. Ouah, ici, pareil, c'est à gogo les embouteillages, là. Oh, faudrait ramener l'autoroute dans ce coin, là. L'autoroute du Saint-Esprit. Bon, en tout cas, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, un petit commentaire, donner votre avis. Désolé si j'ai pas été super vivace là ce soir, parce que du coup je retourne. Je me suis rendu compte que mon épisode était foireux, donc du coup je retourne maintenant. Mais en plus j'avais un mal de crâne pas possible. Mais j'avais quand même envie de le faire, donc voilà. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Cities Skylines. Allez, salut à tous et portez-vous bien. Ciao, ciao!